L'église Notre-Dame de la Selle-Guenant est un témoin de l'art roman en Touraine. Elle daterait du XIe siècle et est classée monument historique depuis le 7 mai 1908. Jusqu'en 1570, le village était divisé en deux châtellenies. Une série de discordes amenèrent l'archevêque de Tours à supprimer la cure de la Selle-Guenant. La charpente, très abîmée, a été refaite à l'identique. La préparation de l'assemblage tenon-mortaise est réalisée au ciseau à bois. Les lattes en sapin du Nord sont le support de la couverture. Les ardoises sont conformes aux exigences architecturales des monuments historiques. La noue en cuivre assure l'étanchéité des raccordements. La structure principale est réalisée en panne de chêne. La feuille de plomb est mise en forme à l'aide d'une batte en hêtre et assure l'étanchéité entre la couverture et le mur. Le transept nord est couvert de tuiles de la région. La fondation du patrimoine, dans le cadre de la mission Stéphane Bern, a permis la réalisation de ces travaux.